Ministère de la Justice. Paris, le 10 février 1972. Messieurs, vous avez sollicité de consulter divers dossiers de procédure judiciaire déférés en 1941 à la section spéciale de la Cour d'appel de Paris. Il importe d'éviter au plus haut point de porter préjudice à des intérêts privés et de réveiller des passions dans l'opinion publique. J'estime donc qu'il ne m'est pas possible d'en permettre déjà l'exploitation. Signé René Pleven, garde des Sceaux. Messieurs, suite à votre demande, nous vous autorisons à consulter tous les documents de l'administration militaire en France occupée, contrôlant les services français de la justice et de l'intérieur, et émanant du général Otto von Stulpnagel, du ministre d'État le Dr. Schmidt, du major Beumelburg, officier de liaison du général von Stulpnagel. Nous vous autorisons également à consulter le dossier Moser lié à l'affaire de la section spéciale. À cause du veto français, c'est à partir de documents détenus par les Allemands qu'a pu être effectuée l'enquête d'Hervé Villeray et tourné le film de Costa Gavras, section spéciale. Et cet homme est dangereux, c'est un ennemi acharné de l'ordre que nous sommes chargés de défendre. Quel est votre avis, Bafos? L'appel capitale. Mais nous y sommes à la dernière extrémité. La section spéciale siège demain matin, nous n'avons pas de prévenu. Choisissez des magistrats anciens combattants. Décorés au feu. Dites-leur qu'ils sont mobilisés par le chef de l'État. Et le peuple français jugera lui-même. Un jour. Oui, regardez donc cette belle loi qu'on nous sommes d'appliquer. Il nous faut 6 condamnations à mort pour après-demain. Monsieur le garde des Sceaux, la sérénité de la justice... Messieurs, ce sont les ordres du gouvernement. Mais vous aussi, ça vous concerne. Vous êtes français, non? On vous fait faire les besognes les plus basses et vous acceptez sans broncher. Vivement la fin de la guerre, que l'on puisse redevenir antisémite.